Et on bouge beaucoup, hein. Beaucoup d'activités dans la surface de réparation. Avec le ballon au premier poteau et ce ballon qui arrive, ouh, qui est touché hein, par le portier de QRM, Nicolas Lemaître. Et le ballon qui part à gauche. Là, il y a une solution avec Andrew Young. Il y a une solution à droite avec Bassa qui frappe et le ballon qui est contré par Jimmy Nirlo. Belkorchia qui cherche une solution de l'autre côté. Il y a la possibilité que Yacine Bassa qui croque complètement cette reprise de volée. Endoy, on est bien revenu du côté de la défense de QRM, mais il a pu servir. Julien Boyer là sur le côté gauche. Boyer, le centre est enroulé. Et la parade encore de Nicolas Lemaître et ce ballon qui sort en corner. Encore un très très beau réflexe de la part de Nicolas Lemaître. Et on en reste là pour cette première mi-temps. Allez, le coup franc. Bien tiré par Guillaume Kou, c'est ce ballon qui passe à côté du but de Nicolas Lemaître. Le ballon là sur le côté gauche avec une solution pour Boyer. C'est bien joué, l'intervention encore de Nicolas Lemaître avec un arrêt réflexe hein, sur cette tête de Romain Montiel. Le corner au premier poteau avec le ballon qui est coupé et la tête décroisée. Alors qu'est-ce qui est marqué? C'est Romain. C'est Romain Padovani, effectivement. Romain Padovani qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Ça change un peu la donne. Ouais, ça, parce que Andrew et Hautman ont un peu le même profil. Ça, au deuxième poteau, avec le deuxième but. Le deuxième but est inscrit par Michael Nadé au deuxième poteau. Il était absolument tout seul, Michael Nadé. Ndiaye qui tente de se retourner, là, qui est toujours en possession du ballon. Ils sont nombreux, là, les Burgiens, dans la surface de réparation, avec cette frappe qui est sortie une nouvelle fois par Nicolas Lemaître. Avec cette frappe de Franck Julienne qui passe à côté du but de Nicolas Lemaître. Mais là aussi, hein, y avait de la puissance dans cette frappe.